يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار في طريقه بإحسان إلى يوم الدين. شيخ خير شيخ سور، السلام عليكم ورحمة الله. Notre sujet de vendredi aujourd'hui c'est l'exigence de la foi. La foi est un grand bienfait d'Allah سبحانه وتعالى. Quand la foi embrasse le cœur, le fidèle s'ouvre sur le monde. Le fidèle a un regard clair sur soi et sur le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, selon Abu Huraira, nous dit que le fidèle qui a une foi forte est meilleur et plus agréable à Dieu que le fidèle qui a une foi faible. Et dans les deux, il y a un bien. Et puis, dans le hadith, le prophète nous explique les exigences de cette foi forte. Recherche avec insistance ce que tu es utile. Est-il pour ta foi? Est-il pour ta vie? Est-il pour ta famille? Est-il pour ta société? Recherche avec insistance ce qui est utile. Et puis, lorsque vous le trouvez, vous devez s'armer de confiance et de détermination et avancer et ne pas flancher. C'est-à-dire, dans un autrement dit, c'est le pouvoir d'agir. Lorsqu'on voit l'utilité, on trouve notre voie, c'est notre manière de s'engager sincèrement et agir consciencieusement. Cherche avec insistance ce qui est utile, et lorsque vous le trouvez, vous devez vous armer de confiance en Dieu et de détermination et avancer et ne pas flancher. Et lorsque les choses, les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, ne pas dire « Ah, si j'avais fait ci ou j'avais fait ça, il y aurait des tel ou tel résultat. » Mais dire « قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ » c'est ainsi. C'est-à-dire que le fidèle est dans un éternel recommencement. J'essaye, ça ne marche pas, je recommence. Je me remets en question et je me mets en mode action et je recommence. Donc c'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a, dans ces quelques mots, il nous a montré les exigences de la foi. La foi, l'école de la foi est exigeante. Il impose aux fidèles une exigence vis-à-vis de son action, un engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes, vis-à-vis de ses créatures, une éthique vis-à-vis de ce comportement et une responsabilité. Une éthique de la responsabilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en quelques mots, il nous a résumé. Le fidèle, c'est quelqu'un qui est bon, qui promeut le bien, qui cherche ce qui est utile pour soi, pour sa foi, pour sa famille, pour la société dans son ensemble. Donc c'est quelqu'un qui promeut le bien. Lorsqu'il trouve le bien, il se met au mode action. Il règle son GPS interne pour s'engager vis-à-vis de la justice, vis-à-vis de la dignité. Il ne flanche pas. C'est-à-dire le prophète, dans un autre hadith, nous a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala reproche à son fidèle le manque d'action. Son inactivité, son inaction. Donc le fidèle, lorsqu'il trouve la voie, il faut qu'il s'engage et agit. Agir et surtout agir consciencieusement. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans un monde et on est dans une sorte de mimétisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a alertés, nous a conseillés fortement. Il nous dit que l'un de vous ne se contente pas des rôles de suiveur. Il dit « j'agis de la sorte parce que les gens agissent ainsi ». Mais soyez responsables, agissez avec conscience, réfléchissez avant d'agir, ne pas flancher. Et puis, vous savez aussi aujourd'hui, dans notre quotidien, il y a la culture du résultat. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous juger sur les résultats. Il va nous juger sur les intentions qui nous animent, il va nous juger sur les efforts qu'on y met. L'important, c'est l'effort. C'est l'effort et l'effet comme il se doit. C'est l'effort et l'effet consciencieusement. Les résultats seront là, bi'idnillah. La foi, mes chers frères et sœurs, il a la capacité de semer l'espoir dans notre cœur. Il a la capacité de nous donner l'énergie de positiver, de voir les choses en positive.
et d'être dans une perpétuelle réforme de son être. J'agis, je trouve ce qui est utile, j'agis, je n'arrive pas, ben je recommence. Je me remets en question et je recommence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla sème la foi dans notre cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de goûter la douceur de la foi, nous permet de nous transformer moralement et spirituellement et aspirer à être meilleur moralement et spirituellement, meilleur devant Dieu, humble devant les autres humains. والسلام عليكم ورحمة الله. يا ربي إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة حرماني فاكتب بجنة